Salut les espions, bienvenue sur La Promesse est à vous. On est heureux de vous revoir encore aujourd'hui pour cette semaine consacrée à la maturité spirituelle et aux outils de la croissance que Dieu a mis à notre disposition et qui nous appelle à saisir afin de croître à tous égards. On a pu voir que la croissance était la volonté de Dieu. On a pu définir premièrement que la parole de Dieu nous était donnée pour la croissance, ensuite la prière, ensuite l'Église. J'aimerais vous présenter un autre moyen que Dieu nous a donné aussi pour la croissance et qui est important, qui est une forme d'aboutissement des autres moyens, par un outil que Dieu nous a donné aussi pour tester notre degré de croissance par les autres moyens précédemment cités. Cet outil, c'est tout simplement la pratique, croître par la pratique. Amen. On va lire dans la lettre aux Hébreux, chapitre 5, du verset 11 à 14, il est dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus. » Et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. L'apôtre nous parle par ce passage que le lait spirituel, c'est le début, c'est pour les enfants, mais qu'ensuite on a besoin de nourriture solide. Et où est-ce qu'on trouve cette nourriture solide? Il dit dans la pratique. Quoi? Dans l'usage de la pratique qui nous apprend à discerner les choses bonnes, les choses mauvaises, ce qui est bien, ce qui est mal. D'avoir une pratique. La pratique de quoi? La pratique de la parole de Dieu. Jésus-Christ dit que ceux qui sont ses disciples, ceux qui l'aiment, demeurent dans ses commandements, mais les mettent en pratique. La Bible déclare par l'apôtre Paul et par bien d'autres passages qu'il ne suffit pas de se borner et de se contenter d'écouter la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique aussi. La pratique de la parole de Dieu, la pratique de ce que nous aurons reçu dans la prière, la pratique de ce que nous aurons compris et de ce qu'on nous aurons appris dans l'Église. De la même manière qu'on l'a dit au début, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Nous allons recevoir par la parole de Dieu, nous allons recevoir par la prière, nous allons recevoir par l'Église. Et 21 ans où c'est maintenant, on est assez grand, c'est à nous d'aller donner. Et c'est là où Dieu veut manifester encore une autre dimension. Si Dieu, lorsqu'il nous donne, nous démontre ce Dieu miséricordieux qu'il est, sa bonté, sa provision, sa bonté à notre égard, sa miséricorde, lorsqu'on rentre dans le processus et dans l'étape maintenant où c'est nous qui donnons, Dieu nous donne aussi sa puissance, Dieu nous donne sa stature, sa carrure, Dieu nous donne vraiment cette dimension d'action, cette dimension d'être dans l'action. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus disait, mon Père agit jusqu'ici, moi aussi j'agis. Dieu est dans l'action, Jésus-Christ est dans l'action. Dans Marc chapitre 16 au verset 20, il est dit que Jésus était avec les disciples dans leurs prédications, dans leurs actions. Pourquoi? Parce qu'il confirmait la parole de leur témoignage, la parole qu'il prononçait par les signes et les miracles. Ce sont des actions qui les accompagnent. Nous devons rentrer dans cette dimension de la pratique. Bien souvent, nous mourons faute de pratiquer. Oui, il y a une mort faute de connaissance, mais une connaissance qui reste théorique, c'est l'équivalent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il mène à la mort. Pourquoi? Parce que la connaissance à laquelle Dieu nous appelle, c'est une connaissance qui vient de l'arbre de vie, une connaissance qui découle d'une pratique, qui découle d'une compréhension théorique de la parole de Dieu, qui se manifeste dans une pratique de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous serons complets. Je nous invite tout à chacun à découvrir cette dimension, et aussi le Père nous accompagne là-dedans. Donc de demander au Père par la prière, voilà Seigneur, j'ai compris dans ta parole ce que je devais faire. Ton Église m'a confirmé et m'a appris à faire ce que je devais faire. Ben par la prière, maintenant, je te demande de me remplir de cette puissance. Comme tu m'as donné le vouloir, maintenant donne-moi le faire. On ne peut pas simplement demander à Dieu le vouloir. On ne doit pas se contenter de recevoir que le vouloir. Pour être complet, il faut le vouloir et le faire. Je nous invite à faire parce que Dieu nous invite à faire selon la parole qui est écrite. Nous devons agir selon la parole. Jésus ne s'est pas contenté de connaître. Jésus a manifesté. Jésus a fait. Je dis toujours ça à ma femme. Dans la vie chrétienne, il y a trois verbes importants. Le verbe être, le verbe avoir et le verbe faire. Nous sommes, nous possédons et nous faisons. C'est comme ça que nous devons manifester le royaume de Dieu. Et n'oubliez pas, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Il y a une promesse dans la parole de Dieu pour ceux qui osent agir selon cette parole, pour ceux qui disent « Sur ta parole, je jetterai le filet », pour ceux qui disent « Si tu leur donnes, je marcherai sur l'eau »,
Pour ceux qui disent, si tu ordonnes que je monte en haut comme dans Apocalypse, si tu dis monte et je te montrerai, alors je monterai. Pour ceux qui disent, si tu m'appelles, je viendrai. Pour ceux qui répondent à quand Dieu dit, qui enverrai-je? Pour ceux qui sont dans l'action, pour ceux qui désirent agir pour le royaume, agir pour Dieu. Pour ceux qui peuvent dire comme au temps de Samuel et de Saül, pour Saül, pour Samuel, pour l'Éternel, et qui partent à la guerre parce qu'ils ont revêtu l'armure, parce qu'ils sont assez matures et qu'ils l'ont reçu dans la prière. Pour cela, il y a une promesse, la promesse de la victoire, la promesse du « je suis avec vous tous les jours ». Parce qu'il n'est pas avec ceux qui restent chez soi, il est avec ceux qui partent, qui fondent des nations, des disciples, pour ceux qui agissent selon les œuvres du Père, pour ceux qui sont des témoins, pour ceux qui osent aller. Si tu oses aller, si tu vas dans cette foi, alors Dieu est avec toi et va avec la force que tu as, vaillant héros, parce que l'Éternel est avec toi. Soyez bénis.